faire la présentation de la liste pour les deux matchs amicaux contre le Brésil, Inch'Allah, le 25 mars au Grand Stade de Tanger, et ensuite pour le 28 mars contre le Pérou au Stade Metropolitano de Madrid. Donc comme vous allez voir, avant de donner les joueurs, l'idée première, Liken Andy, il y a de garder quand même une ossature du groupe. Comme j'ai dit, Makan Brich, l'ingratitude. Et Ocha, je sais qu'il y a beaucoup de gens, Likesina, souvent beaucoup de changements, mais c'est ce groupe qui nous a ramené en demi-finale de Coupe du Monde, Oli Farah El Mraba. Donc Mansaouch, le très bon travail leadero. Mais il y aura quand même quelques changements et quelques joueurs qui viendront dû aux blessures et dû aussi à l'évolution de l'équipe, de ce que je veux voir dans quelques temps et surtout à l'avenir. Voilà. Ensuite, on aura les questions, c'est ça? Voilà. Alors voilà, les gardiens de but. Donc on aura les trois gardiens de la Coupe du Monde. Et Ima Yassine Bono du FC Séville, Anna Mounir Khajoui de l'Ouahda en Arabie Saoudite, Reda Tagnouti du Wydad, et on aura Mehdi Ben Abid du FUS de Rabat. Les défenseurs, Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, Naïf Agal de West Ham United en Angleterre, Ranem Seys, le capitaine de Beşiktaş en Turquie, Nosser Mazraoui du Bayern de Munich en Allemagne, Riyad Shadi du FC Barcelone, Achraf Dari du Stade Brestois en France, Joël Diamic du Real Valladolid en Espagne, Abdelkader Abkar du Deportivo Alaves en Espagne, Yahya Atatlar du Wydad de Casablanca et Ayoub Amraoui de l'OGC Nice en France. Au milieu, Sofiane Amrabat, Fiorentina, Abdelhamid Sabiri, Sampdoria en Italie, les deux, Azim Nahi, Olympique de Marseille en France, Benjamin Bouchouari de Saint-Étienne en France, Bilal Alkannous du KRC Genk en Belgique, Imran Louza du Watford FC en Angleterre et Yacine Keshta du Le Havre AC en France. Les attaquants, Hakim Ziyech, Chelsea, Angleterre, Abdelsamad El Zazouli, Osasuna, Espagne, Zakaria Bouklel, Toulouse Football Club en France, Youssef El Nasseri, FC Séville, Espagne, Anas Zahouri, Burnley FC en Angleterre, Walid Chedira, SSC Bari en Italie, Abdelzak Hamdullah, Al-Tihad Jeddah en Arabie Saoudite, Sofiane Boufal, Al-Rayan, SC Qatar, et Ibrahim Salah, Stade Rennais en France. Donc on sera une liste de 30, on a beaucoup de joueurs issus de l'équipe olympique. C'est une donnée importante pour moi de préparer aussi l'avenir, qui sentent le groupe. Peut-être que dans certains de ces jeunes joueurs, en cours de semaine, ils pourraient réintégrer, pour information, les U23, parce qu'ils ont des matchs amicaux, ils préparent la Coupe d'Afrique U23. Mais l'idée pour moi, c'est de les intégrer rapidement avec le groupe qui a fait le mondial. Voilà.